Bonjour à tous, c'est Bichetassan, donc bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va regarder le Shen Battle. Donc, ce petit Shen Battle qui a été encore super optimisé, évidemment. Évidemment que c'est du sarcasme. Hein. Donc voilà, moi un petit peu comment que je suis parti. Donc j'ai mis tous mes Beerus, même avec le Wyrus. Et après, j'ai complété par du Bardock, parce que de toute façon, comme vous avez pu remarquer, tous les personnages super, que ce soit en destructeur de planète, en Saiyan pur, en explosion de colère, de toute façon, il n'y en a pas un qui a la petite aura rouge. Donc voilà, je me suis pas trop cassé la tête, j'ai mis tous mes Beerus, ceux qui étaient montés, ils sont tous P10, par contre, ils ont eu juste quelques-uns qui ont du potentiel, juste les meilleurs. Donc le puissance et le win tombent pas, et je vais pas en rajouter, vu que je les jouerai pas. Voilà, je vais pas en rajouter. Et sur le côté extrême, j'ai mis que du Broly. Parce que là, comme vous pouvez voir, vous avez beaucoup qui ont l'aura rouge, à part quelques-uns, donc à part le Broly DBS, le Broly 4, évidemment, en fait, les Broly DBS. Et le Broly 4. Tout le reste, ça a dû une petite aura rouge. Donc tout simplement, moi je suis parti comme ça. Donc on va se tenter 2-3 essais sans, voilà, sans plus. Et puis on va voir un petit peu ce que ça donne, si je peux battre mon record ou pas. Je suis dans le top 3%, j'ai fait 107 millions. Donc ça, c'est déjà bien. On va voir si on peut pas faire mieux. Donc on va commencer, on va se mettre le petit Broly LR, si j'ai plus de doublons dessus. Donc on va se mettre le petit Broly LR puissance, j'ai deux doublons dessus. Alors que le tech, j'en ai pas. Et là, on va essayer de se choisir une full team Beerus qui serait le mieux. Le problème, c'est que voilà, il y a des unités. Il y en a... Ah, là, on n'a que du full Beerus. Avec, il y en a 2, 3 qui ont du potentiel. Donc, ça peut être intéressant. Ça, non, non, non. Alors, tous ceux qui ont mis des Goku et tout, là, pas intéressant du tout. Le problème, c'est que voilà, c'est tellement bien foutu que tu sais pas ce que tu dois prendre. Alors, là, soit tu prends du full Beerus. Soit tu prends du full Saiyan pur, mais bon, vu que tout le monde met un petit peu, la plupart mettent du Beerus, mais après quand t'as pas de Beerus, bah, faut bien compléter quelque part. Hein. Donc voilà, ce qui complique un peu la tâche de ce niveau de jeu. Bon, j'essaie de me trouver des teams, et je reviens tout de suite. Donc voilà, nous on va partir comme ça. J'ai réussi à trouver deux petites teams à force de chercher, on a bien fini par trouver. Donc voilà, ce qui nous donne comme petit lien. Alors pour les gentils, on aura 41, 2. Et 31, donc ça va pas trop mal. Et là, on sera à 38, 1, 35. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. On va essayer de partir avec du Beerus en fonction de ce qu'il nous donne. Allez, premier essai, let's go. De toute façon, n'hésitez pas à prendre le temps de trouver vraiment des bonnes teams si vous essayez de péter votre record, évidemment. Si vous en avez rien à foutre, envoyez comme ça. En général, j'essaie quand même d'essayer de battre mon record. Je trouve ça quand même mieux. Donc là, on va essayer de partir avec du full Beerus. Sauf si, évidemment, on a du full Broly. Hein. Et bah, on va faire ça comme ça. On va bien voir un petit peu ce que ça va donner. Donc j'ai fait 107 millions pour l'instant. Déjà, on est à pleine puissance, donc c'est une bonne nouvelle. En général, si vous voulez battre votre record, il faut être chargé à pleine puissance. Et... pas assez du tout. Ah, j'ai mieux frappé que les Broly. Donc je pense qu'on va retester que du Broly. Hein. Ça me semblait quand même beaucoup mieux. Déjà de base. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Et de toute façon, je pense pas qu'on puisse battre notre record aujourd'hui. Hein, parce que, bah voilà, hein, de toute façon, les essais sont assez limités quand même pour faire du point. Voyons voir. Alors, ce qu'on a du Beerus à donf. Parce que ça va être bien au moins d'en avoir 4-5. Mais il faudrait aussi du full potentiel. En fait, c'est ça qui est compliqué. Il faudrait une lignée complète de Beerus avec que du full potentiel. Et si c'est pas le cas, eh ben, on va tenter peut-être Corona 13. Il y a 3 Beerus, mais bon, s'il ne me file pas du Beerus, ça va être emmerdant. On va tester Loulou. Il n'y a que du Beerus, donc ça peut être plus intéressant. On a combien? 45, 1, 33. Ok. Ok, là, on a un Broly LR 100%. Et eh ben, on va essayer à Tori, ça me paraît pas trop mal. Sauf que au niveau dégâts, on va mettre moins de dégâts, évidemment, on a déjà utilisé mon gros LR. Hein. Donc ça on l'essaie de. Ah, ça passe, tant mieux, ça passe pas, bah on fera avec. Hein. Alors, on est à combien là? On est à 35, 2, 35. Ok. 35, 1, 35. Donc pour l'instant, le Broly Saiyan Day est plus intéressant. Ça c'est le free to play, on s'en fout. 35, 2, 30. Ok, bon voilà. Ça, le petit Broly là. Et on tente, on verra bien.
putain, ça c'est chiant parce que il aurait fallu que j'ai pas le broly DBS dedans, donc je pense pas qu'on va battre leur corps. Hein. Après, on sait jamais, de toute façon, c'est tellement bien foutu ce mode, des fois tu penses que tu vas pas battre ton corps, et en fait tu le pètes et à l'aise. Donc. Ridicule. Ok, bon, voilà, de toute façon, vous connaissez un petit peu le Shen Battle quand ça se passe, donc vous avez vu le principe, hein, essayer de trouver les meilleures unités avec le maximum de full potentiel. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aidera et on se retrouve très bientôt pour un nouveau live. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, pensez au petit abonnement, le petit pouce bleu si vous êtes nouveau. A très bientôt, ciao tout le monde!